Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Cuisine Biba. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, je vais faire avec vous des pavés de saumon à la sauce tomate et des pâtes. Donc si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche comme ça vous recevrez les nouvelles recettes et laissez-moi un petit commentaire comme ça je passerai vous souhaiter la bienvenue. Donc, on va faire cette recette. Elle est simple, facile, mais vraiment délicieuse. Donc, il faudra compter gros maximum une trentaine de minutes avec la préparation et la cuisson. C'est vraiment simple. Donc, là, on va commencer. Donc, je prends un oignon que je coupe en fines lamelles. Et là, je vais faire la même chose avec un poivron. Pardon, je bâille. Donc, quelques petits légumes à couper. Donc, j'utilise le poivron. Après, le poivron, vous pouvez même mettre un autre légume. Par exemple, vous pouvez remplacer le poivron vert par des petits pois. Ça aussi, ça peut être une bonne idée. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait les poivrons verts. Maintenant, je mets dans la poêle une cuillère à soupe d'huile, je mets les oignons, je laisse revenir avec les poivrons. Et là, je vais y mettre de l'ail. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cuisiner avec de l'ail. Je ne sais pas vous, c'est quoi votre façon de faire. Donc, pensez bien à enlever le germe. Là, donc j'enlève le germe et je vais laisser cuire quelques petites minutes. Là, je vais y mettre des tomates cerises. Cette fois-ci, j'utilise les tomates cerises de la boîte de conserve. Donc, on peut utiliser soit les tomates cerises fraîches ou de la boîte. Donc, je rince juste la boîte, comme ça, pas de perte. Et comme à l'assaisonnement, du sel, du poivre et un peu d'herbe aromatique. C'est suffisant. Je mélange le tout. Et maintenant, je vais mettre le saumon. Donc, le saumon, vous pouvez le remplacer par un autre poisson. Par exemple, vous pouvez même utiliser les moules aussi à la place du saumon. Ça aussi, ça fait une belle recette. Voilà, regardez, je retire la peau. Je fais le travail du chef. Voilà, donc je retire la peau du saumon. J'enlève aussi s'il y a quelques arêtes. C'est préférable de les enlever maintenant. Et là, ça, voilà, ça cuit, c'est presque cuit, donc ma sauce, elle est prête. Je mets le saumon, donc le saumon, ça cuit aussi rapidement, donc 2 minutes. Et après 2 minutes, je retourne le saumon et je vais recouvrir et laisser cuire encore 2 autres minutes. Je vais juste le retourner délicatement parce que des fois, quand on retourne les pavés comme ça peut les casser. Voilà, donc là, je ne les ai pas cassés, c'est bien. Et là, je vais couvrir et laisser cuire encore 2 autres minutes. Donc, 2 minutes de chaque côté. Maintenant, je vais retirer les pavés de saumon. Donc, les pâtes, elles sont déjà cuites. Donc, les pâtes, vous pouvez utiliser soit des spaghettis ou autres. Donc, c'est la forme, c'est sans importance. Maintenant, je sors les pâtes, je les mets dans la sauce. Donc, pensez toujours à sortir les pâtes 1 à 2 minutes avant la fin de cuisson. Comme ça, ils finissent de cuire dans la sauce. Comme ça, les pâtes, ils seront que meilleurs. Et maintenant, n'hésitez pas de me laisser un petit like, un commentaire. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye!